Bien oui, bienvenue sur Téléternel, toujours en ce dimanche 11 juin 2017. Tout ira bien en espace-temps. Il y a le résultat des élections. Donc l'abstention, bon ça va, on verra au deuxième tour. Et c'est quoi, comment que j'ai trouvé tout à l'heure le suffrage Gerbi vers Sahel, non? Tous les gens qui sont morts pour avoir le droit de vote, quelle connerie. C'est un ciel incroyable. Ça fait comme un... Pas un alien, mais... À lui, il y en a des hirondelles. Elle passe à fond. Bon, il n'y en a pas beaucoup, là. Tu vois ça? Tellement qu'il n'y avait rien à la télé tout à l'heure. Il mettait du tennis de 2016. Mario, il y avait un sacré ciel. Un ciel comme j'aime bien. C'est les anges qui regardent les joueurs. En fait, on est des instruments de l'esprit. Il y a ceux qui vendent leur âme et ceux qui la vendent pas. C'est ça le laboratoire sur Terre. Ce n'est pas le purgatoire. C'est un laboratoire d'analyse. Et l'expansion de l'univers, c'est ça aussi. Là, je vais dire un truc, ça va vous sembler super cru. Pourquoi on dit une Vierge Marie? Chaque fille qu'elle arrive, un bébé, il naît vierge. Hein. Bon. Mais sinon, je pousse un peu le problème. La chatte est une galaxie et le trou du cul un univers. Bon, les PD, ils comprennent rien dans la galaxie. Et moi, j'aime bien regarder les galaxies. Je parle d'élasticité. C'est con à dire, mais c'est rigolo. Le mal, c'est le pouvoir, le sexe et l'argent. Donc, dès que tu peux, tu t'en branles. Tu t'en tapes carrément. Tu sais. Dès que t'es pas trop fatigué, dès que t'as 5 minutes, on n'est jamais aussi mieux servi que par soi-même. Les femmes serpents, alors comment on reconnaît une femme serpent? C'est celle qui a le trou du cul qui s'élargit. Le serpent, putain, il est tout petit, il peut bouffer un lapin, un truc, la gueule, elle s'ouvre, incroyable. La serpente. Elle peut chier des parpaings, quoi. Même le sphincter, ça lui fait pas peur. Carrément, c'est un 18 plis, quoi. T'as le truc, il s'ouvre. Alors, tu mets un doigt, deux doigts, trois doigts, putain, tu mets le bras. Bon, pardon, c'est pour rigoler. Mais n'empêche, moi, il n'y a personne qui me rentre dans l'univers. Hein. Tu vois le truc? Je suis pas un péteur de sperme. Hein. Je trouve bien ce que je te dis. Bon, ça va être dur à mettre. Ça risque d'être censuré, mais je m'en bats les couilles. Je vais mettre interdit au moins de 41 ans. Et d'ailleurs, je vais arrêter à 41, exprès. Des fois, j'y pense, et puis des fois, j'y pense pas. Faut que ça se synchronise tout seul.